Salut! Bon voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit truc, ou plutôt des petites choses qui sont assez rigolotes. Donc on va commencer par... Enfin, je vais commencer par vous parler du mode spectateur. Le mode spectateur, vous allez voir, c'est super rigolo. On va voir ça ensemble tout de suite. Bon alors bam, j'arrive, je crée ma room, on va aller sur Nedonji, on va mettre un petit 3v3, donc 6 joueurs. On va activer le mode spectateur, on va inviter des potes dans la room, des bons potes qui savent pas ce qui va se passer quoi. Voilà, hop, on va aller en mode spectateur et là, paf! On crash, c'est cool, ouais c'est super cool. Mais attendez, mais si on allait tester dans un autre serveur? Allez, on va tester. Hop! On va en German, on crée le mode spectateur, bim bim boum, on arrive, on invite les mêmes copains, hop, on crée la même room avec le même nombre de joueurs, le même nombre de minutes, hop, et là, oh! Oh, regardez, ça marche! Oh, ça fonctionne! Oh, c'est super génial! Oh! Oui, mais les modérateurs et les développeurs, ils travaillent d'arrache-pied pour résoudre les problèmes. Ils travaillent nuit et jour pour la survie du serveur et pour le bon déroulement de la vie du jeu. Ok. Bah, on va demander l'avis à Bichente. Lui, il va savoir nous répondre. Je pense qu'on va être plus d'accord avec lui. Moi, je pense que c'est du foutage de gueule. Nous sommes pris pour les dindons de la farce. C'est inadmissible, mon cher Ezan, que le mode spectateur soit indisponible dans les serveurs français et disponible dans le serveur des Boches. Moi, je me demande tout de même si ces chers modérateurs allemands sont encore des nazis ou des descendants du Troisième Reich. N'avez-vous toujours pas digéré la pilule que vous avez prise en 45? Cordialement. Wow, ok, on va s'arrêter là parce que la bichette il est en train de s'énerver et ça va partir en couille, je le sens. Alors maintenant on va voir autre chose, on va voir les lags en ce moment, les lags en ce moment ils sont vraiment présents sur le serveur. Donc on va faire des petits tests, hein. Donc voilà, donc là on a 3 PC, 3 PC dans la même pièce, sous la même connexion, chez moi en plus, ouais on est chez moi c'est bien. Et hop, on arrive, on a donc 3 PC, on regarde les MS. Regardez-moi ces MS, hein. Vous trouvez pas ça incroyable? Oh là 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 là, c'est vraiment trop chaud, trop chaud. Ok, donc maintenant on va les tester en German, hein, parce qu'apparemment les German ils ont quand même quelque chose d'assez cool hein, chez eux, ça doit être la magie, hein, on va voir ça. Et là, oh, les MS, regardez, oh, c'est incroyable, on voit bien qu'on fait partie de la même connexion, il y a absolument ou très peu de MS entre nous. On va donc écouter notre petite joueuse, savoir ce qu'elle pense de cette chose et comment... Comment Aeria peut résoudre le problème? On va donc l'écouter. Oui, mais Aria Games travaille d'arrache-pied sur le sujet. Oh, puis c'est bon, les lags sont pas si fréquents. Jouer à 300 ms, c'est pas si grave que ça. Vous exagérez un petit peu. Pff, cette communauté en demande toujours plus. Puis voilà. Au pire, si vous vous plaignez des strikebats à 3 km, allez en gun. Non mais écoutez-la cette pucelle! C'est intolérable que des serveurs lag en 2016. Je pense que c'est encore un complot des nazis. Ils ont se venger 76 ans après leur défaite. Non mais avec du lag, il est où l'e-sport? Comment pourrais-je commenter du beau jeu avec un tel ramassis de conneries? C'est un grand manque de respect envers mes compatriotes français. Et laissez-moi vous dire que je suis profondément choqué et déçu par l'attitude d'Aerian Games. D'accord. Merci à vous deux, hein. Maintenant, du coup, on va vite changer de sujet. On va aller voir les overcritiques. On va voir ça tout de suite. Donc là, paf, on arrive. Vous allez voir, je vais faire un critical normal. Mon adversaire a 108 HP. Actuellement, il en a 108. Donc, je vais lui faire un strong cut. Ensuite, on va pouvoir regarder sa jauge de vie, un peu moins de la moitié. Et on va se mettre en position d'overcritique. Donc là, on peut s'apercevoir que je suis monté sur une marche. Donc, je peux l'overcritique normalement, vu que mon strong va le taper dans sa tête. Alors, je suis bien de face, je suis à l'arrêt, il n'y a aucun problème. Donc, je le strong. Voilà, donc il a perdu exactement le même nombre d'HP. On va tenter avec d'autres techniques. On va tenter la technique où quelqu'un me fonce dessus et il va rester bloqué. Il va arrêter de baisser en sprintant. Et normalement, je l'over sans problème. Voilà.
vous avez vu, c'est encore la même connerie. Donc, j'ai testé aussi en German, et il se trouve que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc moi, je tiens à dire à cette putain de boîte de merde, là, que vous avez supprimé l'overcritique d'un coup comme ça, sans rien dire à personne, et vous pensiez que personne allait s'en rendre compte. Mais vous êtes con ou quoi? Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je remercie Akenami et Mepical pour avoir joué le jeu. Il faut prendre cette vidéo avec humour. Je m'adresse aux joueurs ainsi qu'aux modérateurs et aux game sages. Et s'ils veulent faire remonter l'info, ils peuvent la faire remonter. Par contre, je leur déconseille de traduire la vidéo parce que sinon, je vais me faire bannir. Enfin, je pense. Voilà, bisous.